Yo tout le monde, c'est parti pour la suite du SP Conan. Donc on se retrouve pour vous donner juste un petit truc avant de commencer. Ça c'est un Berserk normal du coup level 0, il a 4400 PV. Et lui c'est le Berserk qu'on a up et il a quand même 4900 PV. Donc ça fait quand même une différence. On va équiper avec ça, on va le mettre tout ça dans son inventaire. Et on va aller faire notre petite expédition du jour. Alors. Ça va bien évidemment hard laguer jusqu'à ce qu'on sorte de cette zone. Oui, j'ai mis une tente aussi là-bas, je l'ai eu en pendant l'expédition la dernière fois. Oh, attendez. Stop following. Oh, ça lag tellement. Il y a un truc que je dois aller checker vite fait. Parce que je suis pas sûr de pouvoir repartir maintenant en fait. J'arrive bien. Attends, 9 minutes 50. Ça expire en quoi? Locust. Spawn. Ça. Ça expire en 24 heures. Il y a un Sand Reaper X, ça expire en 24 heures. Donc ça veut dire que j'aurai 2 heures pour venir les rechercher. Ça me semble ok. L'expédition ne durera pas 2 heures. J'espère. Attendez. Est-ce que l'expédition va durer 2 heures? Ah, j'avais pas prévu ça. C'est vrai que l'expédition risque d'être longue en soi. Bon, on va dire que ce sera prêt quand je reviendrai. J'espère vraiment. Mais là, j'ai envie de faire mon expédition parce que j'ai envie de voir cut le record. Allez. Ah oui, et j'ai du coup Star Metal Dagger qui sont quasiment cassés. Du coup, j'ai réemmené mes Dagger of Nameless Day. C'est vrai que ça, j'ai mis Slick. Figurez-vous, mettre du poison sur les torches. Donc, où est-ce qu'on va aller? On va aller dans ces caves-là. Alors, il y en a 3, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc, il y a... Truc Shrouded Bad Darkness. Voilà, ça. Donc, il y a 3 boss qu'on va se faire. Il y a la Lockstone Cave, donc qui est ici. Il y a un truc qui s'appelle The Scraps, qui est genre là. Et il y a là. Il y a Binyakin Seal. Donc c'est 3 boss. Les 3 boss donnent des loots différents. Et des loots rares. Et bon, on va vite s'éloigner de la base parce qu'elle fait beaucoup trop laguer. C'est-à-dire, alors il y en a un qui donne du stuff. En Black Blood. Quand je dis stuff, je parle de d'outils. La pioche, hache, le couteau pour enlever la peau des animaux là. Il y a un autre boss qui donne. Alors que je dise pas de conneries. Je crois qu'il donne des armes. Et il peut donner un arc fort. La meilleure hache du jeu. Ou je crois que c'est le meilleur bouclier du jeu, mais je sais plus trop. Et le dernier, il donne des fragments of power qui serviront à quantité d'autres trucs. Alors, juste que je fasse pas fail dans mon chemin. C'est quoi le chemin qu'on prend du coup? Là j'ai un avant-poste que je me sors une fois je pense. En fait j'aurais pu passer de l'autre côté, que par le désert. Ok, je sais ce qu'on va faire. On va passer sous la base des Black End.
En plus, on va pouvoir aller chercher un bouclier, c'est... Ah, j'ai pas de skeleton key. Ah, j'ai pas de skeleton key. Je vais pouvoir vous montrer, j'irai chercher en passant. En revenant. Prêt pour un petit fight? Mon cher... Il s'est vraiment assis à ce moment-là. Mais... Allez, bute-le. Alors. Je vais montrer vite fait où est le coffre. Le truc, c'est que je crois que vu que c'est un coffre légendaire, je peux pas l'ouvrir sans skeleton key. C'est juste un rapace, on s'en fout un peu. Alors voilà, c'est là. Il est là. Mais du coup, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas de squelette. Mais putain, il suit encore lui. Ok. Bon. Allez, ça y est, un fantôme qui est censé nous montrer comment on fait pour y aller. Mais je l'avais déjà repéré. C'est par là. Ou je me trompe de chemin. Non, c'est bon, ça a l'air d'être par là. Donc ouais, je vous explique, on va longer la rivière jusqu'à l'endroit, jusqu'à ici. Et une fois qu'on sera ici, on va remonter, passer jusqu'à notre base, que je vous montrerai de loin. Et ensuite, on va longer jusqu'à cette zone-là. Et pour cette zone-là, vu qu'il fera froid, j'ai préparé des Flawless Cambuchon Shaman Warp. Ou Rap, je sais pas comment ça se prononce. Enfin, avec l'accent, ça se prononce Rap. Et en français, je saurais pas vous prononcer sans l'accent. Ou sinon, on monte ici. Attendez, mais il y a des gens là. Pourquoi ça touche pas? Là. Ok. Pouf. Allez, on va par là. Bon, je pense que la prochaine c'est le prochain let's play. Ce sera aussi du Conan. Mais en duo, il y a un boss ici. Attendez, 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 attendez. Je veux pas me précipiter pour fight un boss. Interactive map. Misc. World boss. Non. World boss et mini boss. Et active les mini-boss. Ah. Ah oui, je pensais pas que c'est aussi impressionnant de plus près. Je vous montrerai ça de loin. Hein. J'ai pas envie de trop vous spoil. Ah, oh putain de merde. Alors. Là où on remonte, c'est quoi? C'est une corruptie de Sand Reaper. Et ça a mis 100 PV? Ok.
Wow, les lags. Non mais c'est injouable. Ok, j'ai pas mis mes trucs pour esquiver. On va vite fait mettre le truc pour esquiver peut-être. Voilà. Parce que j'ai un logiciel qui permet de bind mais... Désolé. J'ai un truc qui permet de bind mes touches de la souris sur le clavier. Sur les touches du clavier pour les jeux qui ne fonctionnent pas avec les touches de la souris sur le clavier. Malheureusement... Pour certains jeux, ça ne marche pas. On arrive à se TP. Ça me fait penser au trou là qu'il y a près de chez moi. C'est pareil? Non, il n'y a pas de boss là. Ok. Allez, on y va. Mais quelle horreur que ça lag comme ça, c'est injouable. Je sais pas pourquoi il y a des moments ça lag comme ça. Et elle se demande pas du tout. Bon, on n'a pas pris le chemin le plus court. J'ai pris de l'eau dans mes gourdes. Oui. Ok, je sais où on est. C'est bon. Et là, on va commencer à avoir des bestioles un peu plus vénères. Genre ça. Non, non, pas toi. Alors toi, c'est l'heure de la revanche. Mais il est bugué, il me fait pas de dégâts. Mais il me fait pas de dégâts, il est full bugué. J'essaie de restart mon jeu, je crois, il y a un bug. Bon, en vrai, ça m'arrange, hein. Bon, je vais me le finir quand même. Hein. Je peux pas cracher sur des trucs comme ça. Ah, mais il a 17 de bleed! Il est à 18 saignements. Bon, je crois pas qu'il puisse augmenter au-dessus de 20, j'ai l'impression. J'aimerais juste voir le type de dégâts. Oh, le vaut même pas tellement il y a de PV. Bon, je restart, très bon jeu, on verra bien. Après, c'était juste piqué bugué, hein. Soit je réfléchis. Alors, je sais pas ce qui. Je sais pas ce qui, je crois qu'il n'y a rien eu d'autre qui pouvait me faire de dégâts, donc. Peu dur à dire. Ok. On a une skeleton key là? Oui, parfait. Alors attendez, je vais restart mon jeu vite fait, à tout de suite. Ok, je pense que c'est bon du coup. Allez, follow.
Et bah. De tourner jusqu'à ce qu'il change de target. Aïe. Oh. Allez, faille tout avec mon Cimmerian. Ouch. Tu veux pas de fight avec le Cimmerian? Mais pourquoi il se fight pas avec mon PNJ? Mon PNJ est en train d'éclater, hein. Lentement mais sûrement. Me fait peur, je voulais boire moi. Je vais aller boire là. On va aussi mettre de l'ambrosia ici. On va s'en prendre une. Non, par contre, ce serait bien que tu meurs pas en fait. Pas contre ça. Bon, je pense que je vais commencer à le faire s'écarter. Hein. Non, 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 tu reviens là. Tu reviens, j'ai dit on s'en va. Follow. Non, j'ai dit follow. Non, j'ai dit follow. On va écarter un max, c'est pas grave. Et non, non, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. C'est clair maintenant? Tu ne peux pas y aller. Voilà, il est parti. Ah, j'ai failli faire une catastrophe, moi. Les tigres blancs là, ils sont tellement forts. J'ai regardé leur stat juste par rapport au boss qu'on va affronter là. Ah ouais, non mais ça n'a aucun sens. Genre, ça, le tigre random qu'on rencontre dans la nature, 29 000 PV. Ok, 29 000. Et les boss qu'on va se faire, ils ont 16 000. Pouah, mais ce truc est tellement éclaté. C'est tellement broken. Mais en vrai, ça comme spot de base, ça doit être excellent aussi. Oh là, il m'a surpris lui. Non. Tu arrêtes de vouloir faire n'importe quoi tout le temps. Parce que là, tu commences à me gonfler pas mal.
Je veux juste pas que tu meures, t'as compris? C'est si dur à comprendre. On est bien d'accord que l'ambrosia fait pas d'effet pour lui. Je peux lui passer du grillé de steak par contre. Ce qui se hile plus vite. Je crois que ouais. Ouais, un petit peu quand même. Bon, il va me bouffer tous mes grillés de steak, mais c'est pas grave. J'en ai plein. Ah, c'est pas possible. Bon, en soi, je pense que ouais, l'un des godspots pour les bases, c'est ce genre d'endroit. Genre, c'est le même spot que notre base, mais en plus haut niveau, quoi. Ce serait un bon spot, par exemple, pour refaire une base ici. Je vais pas le faire, parce que j'ai un peu la flemme de bouger ma base. Mais j'en ferai potentiellement une à ce spot-là. Parce qu'il y aura... des... Enfin, j'ai déjà mon avant-poste ici, que au final je vous ai pas montré du tout. Mais c'est vraiment juste un avant-poste quoi. Ok, j'espère que t'as de la vie, bro. Ok, allez, mange maintenant, s'il te plaît. Je veux vraiment pas que tu meures. Bon, ça va, il est tout rouge, non? On va lui mettre l'armure maintenant, je pense. Alors. Voilà. Et je vais mettre la mienne aussi. Parce qu'il commence à faire froid. Et voilà. Bon. Donc la première grotte à laquelle on va. On la voit, elle est en face de nous. Avant, normalement, il y aura des espèces de gens oiseaux. J'entends des voix qui ne me plaisent pas franchement. Pour être honnête avec vous. Non, vous foutez de moi, la dernière fois j'ai failli mourir de froid ici, et là vous me dites, oh il fait chaud. Ouais, j'avais pas fait gaffe, mais les vêtements ils sont mouillés en fait, vu qu'on est sous la pluie. Ah, oh, ce souci du détail, incroyable. Ok, alors là on a les map borders. Donc en soi c'est par là. Et là. Bon, soit je peux arrêter de mettre en pick-up. Hein. Quoi? Mais c'était un truc agressif. Je sais pas du tout. Je l'ai juste vu l'éclater. Ok, alors. Écoute-moi bien. Tu n'attaques rien, voilà. Parce que là, il y a un camp de PNJ à côté. J'ai pas envie que tu te fasses éclater par les PNJ. Voilà, c'est la lumière là-bas. Ok, alors maintenant. Follow.
Engagement. Garde-nous. Et tu as combien de PV? Tu te heal bien, ça va. On fera potentiellement une expédition. Enfin, là, pour vous dire une idée de l'expédition. Je connais cet endroit, j'ai fait mon avant-poste. Il y a une obélisque ici, j'aurais pu me TP ici. Un pur plaisir. Ah oui, c'est agressif. J'étais pas sûr. Ça va, il a 5000 PV maintenant. Hein. On va devoir le piquer par contre pour ça. Follow. Voilà, donc il y a des bestioles comme ça. Et là, je suis bien évidemment avec mes points, donc ça ne va pas du tout. Dis-moi que tu vas te TP à moi, s'il te plaît. Oh oui! J'ai eu drôlement peur. J'étais en mode, faites qu'il se TP avant moi, faites qu'il se TP à moi. Ah, il s'est TP à moi, c'est bien. On va aller à l'intérieur, là où les trucs ne pourront plus nous faire tomber. Bon, vous l'avez vu, les trucs comme ça, on peut les tuer assez facilement. Alors. C'est vraiment sombre les grottes d'Inconnade par contre. Mais pourquoi ils avancent comme ça? Non, 7-6, tac. Je vais mettre ça là. Hop. Je vais faire... Il faut toujours, c'est bien. J'aimerais juste qu'il ait peut-être un peu plus de vie avant d'affronter le boss. Bon, on aura un paquet de viande en retard. La viande, c'est vraiment la seule ressource que je peux farmer en masse, mais que je le fais pas. On voit plus rien. En vrai, il sait bien, il en. Ok, non, ça c'est le boss. Ok. On va courir un peu histoire de se healer avec de l'ambrosia. Je ne vais pas le croiser si vite, honnêtement.
c'est une horreur, vous avez tellement rien y voir. Wow. J'essaie de vous éclairer le plus possible la scène après des phases de full combo. Bon, le boss est pas dur, mais c'est chiant, vous voyez rien quoi. Je dirais même le boss est trop simple. Ah, mais c'est pas le fait qu'il me jump dessus qui me fait des dégâts. C'est le fait qu'il fait des vagues à l'endroit où il me jump dessus. Allez, tu vas bientôt mourir. Voilà. Il a quoi? Il a, ben il a l'arc, c'est parfait, c'est ce que je voulais. 1500. Regardez, 28 dégâts, 1500 de dura. 15 dégâts. Aucune idée de s'il faut juste faire demi-tour, je pense. Il avait pas de skate and kill, lui, d'accord. Non. Dommage. Attends, d'ailleurs, tu te heal bien, toi, ou pas? Oh, il a perdu que 400 PV là-dessus. Comme quoi, c'est juste le tir qui est complètement broken, hein. Tu vas m'attendre. Il est possible qu'il y ait un coffre là. Ça me semblerait logique. Parce que pour moi, les mini-boss donnent toujours des. Non, ils donnent pas toujours. Je suis super déçu, il n'y a pas de coffre. Ouais, tant pis. Hein. Allez, on se barre de cet endroit. Bon. Cave une faite. Cave suivante. Ça c'était la Lockstone Cave. N'est-ce pas? Attendez quoi? Attendez, attendez, attendez. On est à G Hills House là. Attendez, c'était. Attendez, attendez, attendez. Stop following. Non, si following. Genre, on s'est trompé de cave là? C'était quoi cette cave qu'on a faite? Parce que là, on n'a pas fait The Scraps. Si? Attendez, c'est quoi cet endroit? G-Hill Roost. C'est que ça. D'accord.
Donc non, il y en a une deuxième. Donc ouais, on a raté la première en fait, c'est bien ça. Attendez. En soi, Lockstone Cave, c'était quoi comme truc? Non, il y a un autre boss, c'est le Shrouded by Darkness là. Bon, en soi, je pense celui-là. Il est pareil ou pas? Parce que là, du coup, on a fait un qui avait combien de vies? Pour voir ici la comparaison. Google Chrome qui lag, c'est incroyable. 590 PV quoi. Comment ça 590 PV? Non mais je crois pas une seule seconde qu'il avait 190 500. Mais comment il peut avoir aussi peu de PV? Je suis pas fou, il avait plus. 590 PV, bah oui. Attendez, attendez, ne me faites pas croire qu'on a tué un boss avec 590 PV là. Je vais me renseigner un peu plus à tout de suite.